Je n'aime pas Dressing Challenge, la nouvelle émission de Christina Cordula. J'ai regardé ça par curiosité hier, j'ai été relativement déçue. Christina, elle est parfaite, hein. Elle est vraiment énergique, souriante, elle apporte beaucoup de dynamisme à l'émission. Mais c'est tout ce qui est autour qui ne m'a pas plu. On vous parle des dégâts que représente la mode pour l'environnement avec des chiffres de juin 2023, super. Par contre, en ce qui concerne la seconde main, j'ai été plutôt déçue des conseils qui sont donnés. À part expliquer comment on fait une annonce rapidement sur Vinted, d'ailleurs, super beau partenariat, bravo M6, il n'y a pas grand chose. Et ensuite, sur les conseils en tant que tel, la personne qui fait le dressing challenge, je trouve qu'elle n'est pas du tout mise en valeur. Et notamment au début, on l'a réduit à une case, mère célibataire, voilà. Il y a tout ce pathos qui accompagne la personne, je trouve vraiment déplacé, qui me rappelle trop les reines du shopping par exemple. Ça m'a mis mal à l'aise. Par rapport aux conseils qui lui sont donnés, on reste vraiment dans du très basique. Je vois pas en quoi ça peut aider les personnes chez elles ensuite à faire le dressing challenge et à vendre en occasion. Alors, j'en attends peut-être trop d'un premier épisode, mais j'attends de voir l'épisode d'aujourd'hui pour pouvoir affiner mon avis et je vous en dirai plus bien sûr très vite.